Le street foot, c'est la liberté. Tu as juste des règles pour essayer de définir le jeu, pour que tout se passe bien. Tu vas dans un club de foot à 11, tu ne vas pas choisir tes partenaires. C'est le coach qui va choisir tes partenaires, qui va former ton groupe. Le street foot, en général, il est composé des petits, des grands du quartier. C'est ta seconde famille. Donc, la meilleure définition, c'est la liberté. Le football à 11, c'est le travail, c'est la passion, etc. Mais là, on kiffe vraiment, c'est quand on est entre nous et qu'on peut jouer 5 contre 5. Ça, voilà, ça paraît quelque chose, ça rigole, ça joue toute la nuit s'il faut. Et ça, c'est... Voilà, on n'arrivera jamais à s'en passer. Le street, t'es libre, t'es vraiment libre de faire ce que tu veux. Tu peux te mettre en défense, en attaque, au milieu de terrain. Tu fais ce que tu... Même si t'es goal, il y a un truc qu'on appelait goal volant. Je sais pas si tu connais, c'est... Genre même le goal, il peut dépasser la moitié de terrain, il peut faire ce qu'il veut. Hop, il dribble, hop, un petit geste technique, juste pour le kiff. Là où j'ai commencé à jouer au foot, c'était dans la rue, c'était en bas de chez moi, au quartier. Mes premiers matchs, mes premiers délires, mes premiers beaux moments, on va dire, au football, c'était dans la rue. Donc voilà, c'est de là où je tentais l'impossible, on va dire, où je tentais des choses que je savais pas encore faire. Quand on est en bas de chez nous, la première chose, le truc le plus simple à faire, je pense pour samedi, c'est qu'un ballon. Je joue au foot avec un ballon, t'as pas à payer, même si t'as pas d'affaires, t'as des chaussures trouées, tu joues avec tes potes, t'as besoin de rien, c'est le truc le plus simple. Ma jeunesse, j'ai joué ici, moi, tu vois, à Sarcelles. Voilà, mes potes, c'était un peu mes cobayes, façon, tu vois. On va dire, je m'amusais à les dribbler, tu vois. Puis si on se faisait tacler, on essayait de garder la balle. Quand t'es à la cité, t'es au quartier, nous, on est habitués à jouer derrière chez nous, tout le temps. Tu vois, nos parents, c'est pas des parents, on va pas dire stricts, ou, tu vois. Mais ils nous laissent jouer, tu vois, ils nous laissent kiffer. Et à force de jouer tous les jours, tu vois, ça fait travailler ta technique, tes dribbles. Et je pense que c'est pour ça que les joueurs techniques, ils viennent de la rue, tu vois. Thank you.
plaît le plus dans le street football, c'est les beaux gestes. Ouais, la technique. Technique, habilité, agilité. De dribbler et tout ça, ça me rend... Tu vois, je kiffe. Si je dribble pas dans un match, je suis pas bien, tu vois. Même si on gagne 4-0 et tout, si j'ai pas dribblé ou j'ai pas fait des petites différences, là, je rentre chez moi, je vais dire... Ah. Tout est permis techniquement. Aujourd'hui, tu le vois quand tu vois des joueurs comme Ousmane Dembélé, comme Matin Bernard Fa. Mon geste à moi, c'est la fin de frappe. Fin de frappe semelle. Gestes techniques, même si je ne sais pas tous les reproduire, voilà, c'est toujours beau de voir un geste technique éliminer un adversaire sur un petit pont, sur une virgule, sur une roulette. En tout cas, faire en sorte de l'éliminer, quoi. Le plus voir dans la caméra même, qu'il disparaisse. En France, tu as beaucoup plus de joueurs qui sont techniques, comme Ben Arfa, maintenant tu as Ousmane Dembélé, tout ça, qui sont techniques, mais sont remplis de chichi, beaucoup. Ils aiment bien montrer ce qu'ils savent faire, tu vois, les gestes techniques, les passements de jambes, les virgules, tout ça, tu vois. J'ai mis un geste à un grand de chez moi, je lui ai mis une virgule en l'air, sombrero. Il m'a coursé dans la cité pendant 2 jours, tu vois. Il me cherchait tous les jours, tu vois. Après, c'était pour rigoler, mais il me cherchait tout le temps, tu vois. Comme nous, dès qu'on gagne contre nos grands, bah, pendant une semaine, on va faire parler que de ça. Même arriver au quartier, même arriver à la cité, voilà, on va dire, ouais, on est meilleur que vous, vous êtes plus grand que nous. Juste histoire de les énerver un tout petit peu, mais tout en restant dans la rigolade. Les petits cherchent à te faire un petit pont, un sombrero. Oh, tac, pour eux, c'est bon, ils ont fait leur match, ils rentrent chez eux. C'est comme ça, Soso. En général, petit pont, c'est mal vu. Quand tu prends un petit pont, voilà, c'est que tu sais pas jouer, tu sais pas fermer tes jambes. Oulala, c'est quelqu'un de l'habitude. Voilà. Je vais poser la question, qui se mange le plus de petits ponts dans notre équipe, et moi je vais répondre. Mais c'est quelqu'un qui... Posez-nous la question, c'est un footballeur là-bas, il se fait même pas interviewer. Dégage là. Faux footballeur. Laisse ça, à cause de mecs comme lui là. Globalement le physique en fait. Quand on est au gymnase, on est obligé de se rentrer dedans. Ouais. Si tu te rentres pas dedans, on te rentre dedans. Ah, ça te chambre en plus. Hein. Souvent il y a des... Dans ces matchs là, souvent il y a des tensions. Pourtant les mecs c'est les meilleurs amis, hein, mais sur un terrain, c'est des ennemis. Doucement les gars, doucement. Moi j'ai toujours comparé un footballeur à un soldat en fait. C'est-à-dire que s'il a peur d'aller à la guerre, c'est pas un vrai soldat. Donc un footballeur, s'il a peur de tacler, c'est pas un vrai footballeur. Quand je joue avec la rage. C'est pas dans la méchanceté, mais déjà j'aime pas trop dire quand tu prends un but, deux buts, trois buts et que t'as un gars à côté de toi, il dit c'est pas grave. 4-0, 5-0, c'est pas grave, 6-0. Moi, j'ai envie de lui dire, va jouer au FC, c'est pas grave, mon frère. On n'aime pas du tout perdre. Et il n'y a que des mauvais joueurs ici, en plus. Personne n'aime perdre. Votre polémique, elle a duré 10 minutes. Qui a pénalty ou pas, nous, ça ne nous regarde pas. Nous, derrière, on veut dire. Mais si tu crois qu'à 4-2, en 2 minutes, tu vas revenir. On est parti jouer à la cage, là. À l'époque, Nike, ils avaient fait cet événement, là, la cage, il y a plus de 10 ans, je crois. On avait pris le train, on avait galéré pour y aller. Il y avait la queue, on a fait 4 heures de queue avant de jouer. Et on a eu la poisse, on a pris un but au bout de 40 secondes. Putain, on est sorti et on voulait se réinscrire, mais c'était impossible, il y avait trop de monde. Et on était dégoûté, ça a tué la journée. C'est la gagne, ça veut dire la rage de gagner depuis tout petit, qu'on faisait un 2 contre 2 ou qu'on jouait contre une autre ville. Je me rappelle, mon coach, il me disait, Riyad, dans les 30 derniers mètres, faut tuer. Toi, faut que tu aies l'esprit d'un tueur, faut que tu arrives, faut que tu l'élimines, tu frappes, tu fasses quelque chose, tu vois. Depuis ces petits, on est comme ça. Depuis tu rentres pas dedans, on te chambre. Hey, bat!
je sais pas si vous regardez mes vidéos, mais moi je rigole tout le temps. Hein mon gars, faut rigoler ou pas? Oui. La joie de vivre ou pas? Oui. Hein, faut toujours rigoler les petits, oui, ou pas? Oui. Alors, regarde, comme les petits rigolent tout le temps. Tu vois? Et j'envoie ce message à ma maman. Ah ouais? Oui, je t'aime, maman. Ah, c'est mignon. S'il faut rigoler, faut aimer les parents. Voilà. Oui. Que ça vanne. C'est, en fait, tout est dans l'ambiance, tu vois. Nous, on se prenait pas trop au sérieux quand on jouait. Tout dans l'ambiance, tout ça, mais voilà, on gagnait tout le monde. Tchèque. Tous ceux qui ont joué au foot, ils le savent, il y a toujours un mec qui va être là à mettre l'ambiance, à tailler les gens. Ici, il ne faut pas rater le geste technique. Alors surtout si tu te manges un geste technique, prends tes affaires et quitte le terrain direct. Parce que ça va rigoler sur toi jusqu'à arriver au quartier. Ils ont commencé à me siffler, à... pas à m'insulter, mais genre, comment dire, à crier. Je calculais pas trop, je restais concentré dans mon tournoi. Nous, avant, dans les tournois, dès que t'arrives à un contre un, ça crie, taf-le, tu vois, des trucs comme ça. On a grandi avec ça, tu vois, donc c'est pour ça que quand t'arrives en pro, dès que t'es un contre un, tu vois, dans ta tête, il faut que tu le passes, tu vois, tu dois faire la différence. L'état d'esprit. Quand t'arrives quelque part, un Parisien qui soit du 7-7, 7-5, 9-1, 9-3, 9-T, on va se voir, on va se sentir, on se reconnaît. Et tu sens que le mec dans ses yeux est la fin. Il peut être pas un truc, mais il a faim. Tu le jettes sur un terrain, il a faim. Et ça, là, on peut pas nous enlever. À Paris, de France et tout, c'est ici les talents sont dénichés. Ici, il y en a, ils se cachent, tu les vois pas. Tu vas les voir un peu dans un quartier, tu te dis, mais il est trop fort, lui, il sort d'eau et tout. Mais il est encore là, tu vois, dans la cité où il est pas inscrit dans un club. Tu vois, à Paris, il y a beaucoup de... Beaucoup, beaucoup de mecs comme moi, il y en a des millions, tu vois. Faut pas mentir, en général, les joueurs parisiens, c'est pas parce que je suis parisien, c'est ça, ils vont en province, ils sont au-dessus. Techniquement, tout ça, ils sont au-dessus. Physiquement, tout, ils sont au-dessus. Que c'est dans le quartier où il y a le plus de niaques. Nous, on n'a rien, nous. On est là, on a un ballon quand les pieds, c'est tout. Hein. C'était ça à l'ancienne. Hein. Tu sortais le ballon, si t'es pas fort, tu joues pas. Donc t'es obligé d'être fort. Si t'es pas fort, tu jouais pas au foot. Et toi-même, tu sais, c'était comme ça. Soit t'es nul, soit tu vas au goal, ou soit tu joues pas. À force, quand on est petit, on joue au foot. Au bout d'un moment, il y a un talent inné, tu vois. Tu vois, dans les villes, il y a beaucoup plus de city qui sont implantées de plus en plus. Ça permet de vraiment de démocratiser leur façon de jouer. Tu regardes même aux États-Unis, à travers le basket, qu'est-ce qui a fait que ça éclate? C'est quand ils ont commencé à mettre vraiment des terrains de basket dans tous les ghettos. Et forcément, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le football. Aujourd'hui, il y a que dans notre ville, il y a au moins 10 synthés qui ont été mis. Et tu vois, aujourd'hui, c'est pareil. C'est ce qui fait que les jeunes, ils s'y jouent encore plus. Le seul désavantage qu'on a par rapport à d'autres gens, c'est qu'ici, tout le monde est fort. Ici, tout le monde est fort. Dans chaque génération, il y a trop de joueurs qui sont forts. On va dans d'autres villes, c'est nous les plus forts. Mais ici, il y a tellement de bons joueurs que c'est difficile de se faire... De se faire voir plus que ça. Franchement, je pense qu'à Paris, c'est l'épicentre du street football. Je pense que t'as pas. Après, je sais qu'à Amsterdam, on dit ça joue beaucoup aussi. Non, moi, c'est les Hollandais et les Belges, moi, ils m'ont choqué, vraiment. Pour moi, c'est les meilleurs. En Europe, premier ou deuxième avec les Pays-Bas, techniquement. Ik denk dat ieder jongetje op de hele wereld straatvoetbal speelt. Ik denk dat het niet alleen in Nederland is. Alleen het verschil is dat wij in Nederland een hele andere soort straatvoetbal spelen. En daardoor onze jongeren gewoon die stijl oppakken. En op een of andere manier is dat gewoon de beste in de wereld. Ja, wat ik denk, omdat deze landen zijn zeg maar een melting pot van culturen. Weet je, veel immigranten. En ik denk dat op straat mixt dat allemaal en heb je allemaal verschillende invloeden, technisch, tactisch, en dat wordt gecombineerd.
En iedereen heeft een beetje zijn eigen stijl. En ik denk dat dat de grootste reden is waarom wij technische spelers hebben. En ook veel creativiteit op straat natuurlijk. On est parti en Hollande déjà. En Hollande, quand ils sont partis là-bas, bah, ils ont fait une dream team carrément pour gagner le tournoi. Et nous, on les a pas rencontrés. Mais franchement, si nous les aurions rencontrés, je pense pas qu'ils nous auraient battus. Paris, c'est un vivier de joueurs énorme, énorme. Donc forcément, il y a une influence sur le football international. Donc ça commence avec les petits qui viennent piller à 13-14 ans, qui vont emmener dans les différents centres de formation, que ce soit en France ou à l'étranger. Et ensuite, tu les vois arriver au niveau, mais ils n'oublieront jamais d'où viennent. C'est un endroit ici pour moi où tout a commencé. C'est vraiment mon enfance ici. Il y a des terrains derrière synthétiques où on jouait. Et concernant ici, on jouait rarement. Ici, c'était les seniors qui jouaient là. Mais nous, on jouait plus derrière synthétique. Il y avait deux terrains. Et puis voilà, on avait des équipes de 4, 5. Je me souviens d'un t-shirt que j'avais fait l'année dernière quand on était champion. Quand les gens ont vu ça, ils ont dit, mais ça m'en fout. Tout le monde a son drapeau, tout le monde a son truc. Il n'a pas de drapeau, il a que son t-shirt Sevran, tu vois. Et ça, c'est pas ça. Ça, les gens ont dit, ok, d'accord, tu vois pas. Lui, il sait d'où il vient, tu vois. Mais je fais pas exprès, je fais pas ça pour les gens. Je ne veux pas qu'on parle de moi. Je fais ça justement parce que c'est ma fierté. Quand je joue en salle ou avec mes potes, je suis jamais derrière. Je ne joue jamais défenseur. Parce que j'aime bien aller devant. Parce que toute l'année, je joue défenseur. Toute l'année, je défends. Entre nous, j'ai le droit quand même de me faire plaisir, d'aller marquer des buts, tu vois. Donc, c'est différent. Quand on est ensemble, il n'y a pas de défenseur. Ici, ça s'appelle la butte, en fait. C'est le terrain au Rougemont où, si t'es Rougemontais, t'es obligé d'avoir joué ici. Tu vois, c'est le terrain, la butte, on y jouait. On venait le matin jusqu'au soir, ça jouait de partout. Il y avait des mecs vraiment techniques. Franchement, il y a un truc. Il faut vraiment le notifier, c'est que dans les quartiers, il y a toujours des mecs, mais c'est un don qu'ils ont. Quand ils voient qu'il y a un tel qui réussit, qui revendique, qu'il vient de Sevran, ils disent, ah, mais pourquoi pas moi, tu vois. Moi aussi, je vais tenter ma chance, peut-être ça va marcher. Et c'est ça, tu vois, quand t'entends Tchèque Congo, t'entends Ixo, Caris, 13 blocs, Carrage Criminel, Walid, tu vois, c'est des trucs, tu te dis, ok, d'accord. C'est-à-dire que moi, je suis content quand je vois ça, Noah, Lundi. Dans le foot, Serge, dans le rap, Caris, Kalash, Ixo. Et moi, dans l'humour, chacun a son... Mais tu reconnais, en fait, le truc, c'est qu'on est vrai, tu vois. Parfois, ça nous porte défaut d'être vrai comme ça. Quand je parle de Sevran, les gens, ils me prennent un peu pour un mec, tu vois, on va dire qu'il pense qu'à la cité. Non, je suis fier de ma ville. Sevran m'a montré que quand on n'était pas bien, quand on n'avait pas de l'argent ou un truc pour s'en sortir, il fallait aller encore plus haut, tu vois. Il fallait aller chercher encore plus loin, tu vois. Et dans le football, c'est ce qui m'a fait grandir. Dans mon parcours, en tout cas, j'ai pu vivre des choses qui étaient assez difficiles. Tu pouvais pas avoir ce que tu peux te permettre d'acheter aujourd'hui. Donc pour aller payer une licence, c'est tes parents qui doivent le faire. Moi, je prends l'exemple de chez nous, on est cinq garçons. Tu vas payer une licence, ça coûtait déjà cher. Les parents, ils n'ont pas les moyens. Payer une paire de baskets, de crampons, de survêtes, etc. Il n'y a pas les moyens. Et donc, ça a fait que... T'as vu, ça génère de la frustration, tu vois. Moi, le premier, j'étais petit, on me disait, pourquoi tu vas là-bas? J'en parlais pas trop, parce que j'avais pas les moyens, tu vois. Je suis pas un voleur, j'ai pas eu ce talent-là, tu vois. Donc tu pouvais pas avoir de revenus qui vont te permettre de toi aller te payer ta licence à 14 ans ou 15 ans.
Et du coup, là, avec des amis, on s'est dit, bah, pourquoi pas aider ces petits jeunes qui sont en manque de moyens, tu vois? Pourquoi tu vas pas dans ce club? Ça revient trop cher. Ah ouais? Bah, t'appelles une ou deux têtes, trois têtes, parce que toi, tu sais ce que ça a fait. Je l'ai vécu, tu vois. Alors voilà, tu viens, on se met autour d'une table, pose un petit billet chacun. Voilà, s'il est content, il a sa paire ou il s'inscrit dans le club. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un petit frère qui nous le rend bien, qui joue à un certain niveau aujourd'hui, Djaneli Mboula, à qui se passe le bonjour d'ailleurs. Et d'autres petits frères aussi, Barrio Limina, tu vois, qui a été champion. Ces mecs-là, ils sont dans leur club, mais quand il faut faire un geste, ils le font. Tu vois. Pourtant, c'est des superstars. L'autre, il a fait le doublé. L'autre, enfin, superstar, on se comprend. Pour un petit qui est parti de la Cité qui arrive là-haut, tu vois. Mais ils ont ce petit retour et, tu vois, vas-y, il manque quoi? Tiens, une petite paire pour ce petit-là. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est ça, la beauté pour moi aussi. On a appelé ce stade San Siro, justement, à l'époque. Le championnat italien, c'était le meilleur championnat du monde. Bon, on était tous dans le quartier, un peu fans de foot, hein, comme dans tous les quartiers de banlieue, d'Île-de-France ou dans toute la France, quoi. Et les clubs référents, c'était l'Inter et le Milan AC. Pour San Siro, bon, c'est vrai que le terrain, quand tu regardes tous les terrains aujourd'hui, il y a des synthés qui ont été partout dans les villes. Aujourd'hui, rares sont les terrains où t'as un bitume comme ça. Il n'est pas tracé, on est sur le bitume. Comme quand tu sors de chez toi, c'est le bitume. Le gars, quand il rentre à San Siro, il sait que... Il sait qu'il est prêt, il sait que ça va saigner parce que c'est non seulement le bitume, bah, voilà, tout le monde est déjà tombé, donc tout le monde sait que ça fait mal. En plus, c'est refermé donc, avec des grilles, donc c'est comme si tu rentrais dans une arène. Des gens, des fois, ils regardent les matchs, ils se mettent par la fenêtre. J'en suis sûr, ils prennent leur paquet de chips, leur paquet de popcorn, leur boisson, ils regardent les matchs, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu vas jouer sur un terrain, il est rectangulaire. Bon, au point de corner, il faut centrer. Ici, il n'y a pas de corner. Il a une forme, je crois que c'est le seul. Tu vois ce qu'il y a? C'est le seul terrain en France qui doit avoir cette forme. Il est en biais comme ça, il y a des trous partout. Tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire sur un terrain où c'est formaté déjà. Là, il n'y a pas de format. Tu regardes les terrains de basket aux États-Unis, sous le métro, là, tu as vu, c'est là où ils viennent les purs et durs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que tout le monde se rejoint, les footeux, les non-footeux. C'est là que... c'est là qu'on fait les barbecues, c'est là que les petits peuvent un moment approcher les grands, c'est là où on peut échanger, c'est là où sur les murs il y a les noms de ceux qui nous ont quittés malheureusement trop tôt. En fait, c'est un tout. C'est pas qu'un terrain de foot. C'est vraiment le cœur du quartier. C'est 19 par rapport à mon numéro de bâtiment. C'est là où j'ai appris à jouer au foot, on va dire. C'est là, juste en bas de la maison, que j'ai commencé à faire des 2-2, à apprendre à faire des jongles, etc. Et voilà, par rapport à ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et c'était un peu normal que je représente mon quartier, ma ville, avec ce numéro sur mon maillot. Définir Adrien en quelques mots, ce serait personnellement, par tout ce que j'ai vu de son football, de son vécu, etc., ce serait meilleur semelle de France. Personnellement. Ça va, les gars? Voilà. Ou un autre ton, vous savez. Ah, faut qu'on parle tous. Tu rigoles, tu parles. Vas-y, refais, vas-y. On parle tous, là. Vas-y, vas-y.
Jusqu'au Sporting, équipe de France, etc. On l'avait évolué, c'est-à-dire maintenant aujourd'hui il a un pouvoir médiatique. Et justement, moi je suis son pote, etc. J'avais un peu. J'appréhendais un peu, tu vois, au niveau du pouvoir médiatique, comment il va l'utiliser, etc. Et aujourd'hui il l'utilise grave bien, tu vois. C'est-à-dire, c'est un exemple pour les petits. Il a réussi à prouver que même en restant en quartier, on peut réussir. Et regardez la preuve, il vit toujours au quartier, il est toujours avec nous tous les jours, mais. Il a réussi dans sa vie, alhamdoulilah. Chacun a sa propre vision. Moi, je suis un joueur de futsal. Les petits d'aujourd'hui, ils veulent pas faire du futsal. Quand on regarde le foot en général, c'est Messi, c'est Barcelone, c'est Ronaldo, c'est Real, etc. Ligue des champions et tout, des trucs avec plein d'argent, etc., etc. Moi, je suis pas là pour essayer d'avoir des millions, etc. J'essaie de donner de la force, donner de l'envie pour que voilà, les jeunes derrière nous, ils nous suivent et ils essaient de faire encore mieux. Imagine genre la Champions League, ma gueule. Oh, il met des frappes, il met des frappes. Imagine genre quoi, finale de Ligue des Champions. C'est un exemple pour tout le monde, je crois, pour tous les petits qui veulent jouer au foot. Aujourd'hui, ils voient Adrien, ils sont fiers, ils vont le voir en match, ils le suivent à la cité, ils le suivent partout, sur Facebook, même dans toute la France. Il a une grande notoriété, il a beaucoup persévéré, il a eu du mal. Comme il y a 6 ans, on était en futsal. Et je pense pas qu'il pensait à être en équipe de France aujourd'hui. Il y a 6 ans de cela, tu leur posais la question. Il t'aurait dit jamais de la vie, j'y crois pas. Peut-être, mais aujourd'hui, avec le travail, il a sacrifié des choses, il a sacrifié plein de choses. Et regardez, il est où? C'est le meilleur joueur de futsal français. C'est quoi le délire? C'est qu'il a toujours su rester fidèle à lui-même. Tu vois, les personnes d'équipe de France, il a été transféré, il a fait sa cote, il n'a pas changé. Tu vois, c'est ça qui est bien avec lui. Et aussi, Gidigas, voilà. Il a des bonnes petites vannes des fois. Il peut te surprendre avec ses petites vannes dans le quartier. Avec ses petits ponts aussi, il a mis plus de 31 au béton. C'est certifié par la street. Les plus anciens l'ont certifié, les nouveau-nés l'ont certifié. Et les mecs d'actuel, ils vont la certifier aussi. Il est magnifique, Adrien Gasmi. Il me fait rêver. Il parlait quoi d'une raclée, sa mère? Il a vu quoi, une meuf, sa mère? Alta tensione, vai! Pippo mio! 1-0 per i ragazzi! 1-0 per i ragazzi! Salari, Salari che ti va a trovare! Vamos Roberto! Vamos Roberto! La va a poner Roberto, la pone Roberto, che sta Zinedine! Zinedine in gattiglia, chuta! Moi, j'ai commencé mes premiers pas sur le plateau, j'avais 8 ans. J'ai forgé un groupe de potes. C'est ça qui est formidable avec le street foot comparé au foot à 11. C'est que les potes avec qui tu grandis, que tu as connus quand tu avais 8-9 ans, au jour d'aujourd'hui, c'est mes frères. J'ai 36 balais et c'est des gens que je continue à côtoyer. J'étais en échec scolaire, pour ne rien cacher. À la maison, il n'y avait personne qui pouvait m'aider concernant mes devoirs, je captais rien. Donc forcément, plutôt que d'aller dans la rue traîner, zoner, la première chose qu'on faisait, on se retrouvait là. On tapait le ballon de 17h à 20h, de 17h à 21h. Pendant les vacances, on avait 15 jours de vacances scolaires. Et je te jure, c'était 15 jours de foot. Et c'est ça, c'est pour ça que je disais que c'est un formidable canalisateur. C'est que ça te permet de, non seulement de te défouler, parce qu'à un moment ou l'autre, t'as la haine. Tu comprends rien à l'école, il n'y a personne pour t'aider. T'es en manque de sous, t'as des difficultés au niveau de l'argent, financier, ta famille, voilà, etc. Je te passe le débat. Et quand tu te retrouves là, bah, t'es libre. T'es libre de tous ces problèmes, t'es libre de toutes les problématiques et toutes les barrières que t'as en dehors, dans la société. Et là, c'est un bol d'air, c'est un bol d'oxygène. Jordan, elle est vraiment de votre génération, ma gueule. Il est obligé, il prend la balle, il est obligé de faire une feinte et après essayer de la donner. Mais tu joues pas les... Mais le match d'avant, t'es un putain de joueur, ça, y a rien à dire. T'as une technique de ouf, y a rien à dire. Non, mais tu sais pas jouer en une touche. Si. Non.
Non, le touche, essaye, Moussa. J'arrive. Ferrat, il est toujours en détente. Il y a énormément de bons joueurs dans tous les quartiers, il y a énormément de bons joueurs dans le bassin parisien, dans toutes les banlieues, mais ils ne se rendent pas compte que le sport, que le foot, c'est un sport collectif et que leur qualité individuelle, ils doivent le mettre au service du collectif. Mais bon, après ça, ils l'apprennent au foot à 11, c'est aussi notre rôle en tant qu'éducateur. C'est pour ça qu'on ne leur met pas de barrière dans le street foot. Ils font ce qu'ils veulent, ils s'amusent, mais sur le foot à 11, nous, notre volonté, justement, c'est de leur expliquer que voilà, il y a un moment, leur talent individuel, c'est pour le collectif. D'où la première question tout à l'heure. Le football de rue, le street foot, ça rime avec liberté. Et nous, on ne veut pas leur enlever cette liberté. Style, que ce soit là ça, que ce soit la coupe, que ce soit là. Non mais c'est vrai, regarde, il rigole. C'est vrai ou pas? Nous on arrive au stade, je te jure, rappelle-toi. Ouais, à l'époque où nous on jouait au foot, les gars ils arrivaient sur le terrain avec des moustaches. Là, ils arrivaient avec la moustache. Non mais là, grâce à Dieu, on travaille, on s'achète des belles sables, tu vois. Mais nous à l'époque, on avait rien. Moi aujourd'hui, quand je vous vois jouer avec des URH, des Air Max 2016, des chaussures qui coûtent plus de 200 balles. À l'époque, pour moi, c'était inimaginable, gros. Déjà, nous, on les mettait pour le mariage. Lui, il a pas trop style vestimentaire, mais ça va. On peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Ça fait comme jamais, là, en photo. Non, voilà. Pour maillot d'anif, tout ça. Un style. Non, lui, un style. C'est un style. Ouais, c'est un, boucle d'oreille. C'est important partout. C'est important. Dans notre quelqu'un. Même quand on joue au foot, un petit peu de style, pas comme lui. En fait, toujours un peu de style. Lui, il s'en fout du style, lui. Ouais, gros manteau. C'est la niaque. À défaut d'être un bon joueur, on va essayer d'être beau au moins. Donc on essaie d'avoir un peu la dégaine, comme on dit. Faut avoir la dex. Le flow. Pas du tout. Ah, le swag. C'est la dex, c'est la dex. Si t'es pas dégainé, comme on dit, c'est wow, wow, ça veut dire nul. Aussi, quand t'es un technicien, faut que t'arrives aussi bien habillé. T'as ta bonne paire de Nike et tout. Là, je parle pour ceux qui jouent en pro. Une bonne paire de Mercurial et tout. Là, déjà, les gens, ils vont te regarder, ils vont dire, lui, il est dangereux. Tu vois ou pas? Attends, laisse en parler. Moi j'ai envie de dire c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleurs plats. C'est pour ça que celui-là là il est mais très bon. Mais quelle vieille casserole tu parles frère, regarde tes pères. T'as vu ma paire ou quoi? J'ai une magista. Jouer avec une magista. Regardez ses pères. Mais jouer avec une magista. Non, mais il a tes magista frère. Mais la bine fait pas le moine. Mais la bine ouais, et la bine fait pas le moine aussi. Ah, t'as vu mes crampons? Mes crampons tu les as vu ou quoi mes tenues? Mais pas pas là. Ah mais je vous dis. Pourquoi tu dis chenille moi? Avant c'était plus running. Ouais, des comme ça. Avec des chaussures comme ça, voilà. Chaussures fanées, comme on dit ici. Vous pouvez zoomer sur ces chaussures? Ils penchent sur le côté là. Ça penche sur le côté. On dirait un croissant. Ces chaussures, elles sont à l'image de ses contours. Tu m'as vu deux fois en survette. Ouais, t'adhères à quelque chose. Après, c'est difficile de changer. En fait, c'est une culture, c'est un mode de vie, on va dire. Voilà, il y a des jours où je suis en jean, il y a des jours où je suis en jogging, mais je suis plus souvent en survette, parce que je suis plus à l'aise. Dès que je suis posé à la cité, je préfère être en survette. Voilà, parce qu'on sait pas, peut-être que, je sais pas, on va avoir un coup de fil, ouais, venons, on va au stade. Hop, je suis déjà prêt, on peut directement aller au stade et jouer directement.
Nous, quand on était jeunes encore, on ne pouvait pas s'identifier, à, comme tu disais tout à l'heure, à des Ben Arfa, à des Mboula, à des Lemina. Aujourd'hui, tu as tous ces gars-là, voilà, Lemina qui sort de Nanterre, Mboula qui vient d'Argenteuil, tu as Evra, ils viennent d'Isulis avec Martial. Aujourd'hui, tu as des mecs de quartier qui sont acteurs. C'est des mecs après que tu revois, aussi bien à travers les réseaux qu'en venant de leur quartier, tu les vois sur la pelouse. Forcément, les jeunes, ça, ils s'identifient. C'est normal que ceux qui jouent à la cité vont leur ressembler. Il y a des mecs, ils mettent des survêtes de foot. Ils n'ont jamais fait de foot de leur vie, ou ils ont des ventres, il y a 7 personnes dedans, tu vois ou pas. Donc c'est devenu un style à part entière. Et même si tu remarques bien les survêtes maintenant d'entraînement, ils sont très près du corps. Alors qu'avant, tu mets un truc près du corps. Ouais, mais t'es un fou, mais qu'est-ce que tu fais? Non, 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 mais t'es... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Que maintenant, c'est le style de maintenant, tu vois. Les mecs ont des cheveux longs, ils ont des. Tu vois. Il y a des dégradés, des teintures. Ils vont mettre. Tu sais, ils vont sortir, ils vont les capter une meuf en survêtement de foot. Tellement le truc il est frais. La moulette vient de Paname, intouchable comme Verratti ou Mota. Je suis seul raté, t'es sur le bon touche. Afro-trap pas marqué, donc ça coule ma gros. File mon chèque, on m'a donné la sauveur, je connais plus l'échec. Je connais plus l'échec, toujours titulaire comme Keita Sheik. Je me rappelle d'un jour ici sur ce terrain-là, je suis allé dribbler toute l'équipe et je suis allé marquer. Après, j'ai fait la célébration de CR7 sous. Moi, je suis un mec, tu vois, je suis pas trop rapide, tu vois. Et dès qu'il en face de moi, dès qu'il m'efface, moi, ça me fout le seum, tu vois. Donc, c'est-à-dire, soit tu l'attrapes, soit tu le tacles direct, tu vois. Faut pas le laisser passer. C'est la Champions League, 7-5, c'est la Champions League, 9-1, c'est la Champions League, 9-2, c'est la Champions League, 9-3, c'est la Champions League, 9-4, c'est la Champions League, 9-5, c'est la Champions League. 7-7, c'est la Champions League. Wow, on écoute tout, hein. MHD. Rof. Il y a Booba, il y a Karis. Il y a Booba, Jules. Jules, Rof, tout ça, tu vois. Il y a des mecs comme Alonso, comme l'artiste, comme Niska. Mac Taylor. Niska, etc. Moi, par contre, moi, je faisais autre chose. J'écoutais les musiques, là, brésiliennes, là. On a un style varié. On a un style varié, nous. Même du Rihanna. Rihanna, c'est bien. Moi j'aime bien quoi. J'aime bien ça moi. Moi je vous le dis, moi j'aime bien. Et si tout le monde aime bien ça. Et quand ce sont là, on te voit, tout le monde danse. Ah, il y avait une musique là, au Bali, une musique brésilienne, c'est ce son là. Ce son là j'aimais bien. Oh Maria, oh ba, oh ba. Dans la cité, moi, c'était les deux choses. C'était quoi? C'était foot et musique. Voilà, comme je vis dans le foot, c'était pas trop possible. Et maintenant que je suis dans la musique, ça me donne l'occasion aussi de m'exprimer sur le foot. Voilà, si on remarque bien, dans plusieurs de mes morceaux, voilà, j'ai toujours un petit punchline sur le foot. Ou même j'ai fait un morceau directement de Champions League, voilà, qui est une grande compétition de football. Du coup, je parle d'un son, qui est le son que j'ai fait, Roger Mila, qui est un grand joueur africain que je représente. Tu vois toutes les connexions, Niska, Matuidi, les dédicaces. Pourquoi? Parce que à un moment, les mecs, ils se disent, ouais, quand toi, tu fais un son, le rappeur, il écoute, il se motive. Mais quand toi, tu célèbres, il fait la danse du charo, l'autre aussi, il est content derrière, tu vois. On nous a dit, ouais, Matuidi et tout, il veut des t-shirts charo et tout. Nous, on n'y croyait même pas. On était là, comment ça, Matuidi, t-shirts charo? C'est-à-dire, dans la folie, mon pote a commencé à lancer une gimmick. Matuidi charo, tu vois, c'est parti comme ça. Et puis, même en vrai, le mec, il représentait carrément notre mentalité, notre état d'esprit, tu vois. Ça veut dire de ça, on a poussé le truc. Moi, un jour, je suis rentré en studio, j'ai fait le délire, j'ai invité mes potos. Ils sont venus, on a fait le délire. On a dit, ah, mais les gars, si on mettait la gimmick de la dernière fois et tout sur le sommet et tout, peut-être ça va passer. On a essayé, ça a donné Mathieu Ducharo, tu vois, ça a donné ce que c'est aujourd'hui. Donne moi le tarot, je vais pas te rase pas, t'es vraiment paro. Paris Saint-Germain, Ebendo, Mathieu Ducharo. Ah, c'est sûr que ça fait kiffer. Quand même, tu vois, tu te dis que, ah ouais, quand même, il est parti loin, mon délire et tout. Et voilà, c'est un kiff et tout. Je pense qu'on a travaillé pour qu'au final, avoir un résultat. Aujourd'hui, quand on voit le résultat, on peut qu'apprécier, être content. Calage criminel, Africa sauvage, Zaïroa sauvage, 243, RAS. Ouais, gros. C'est vrai, RGT, Grigny la grande borne, que des sauvages. Sauvage, sauvage. Je suis posé à la cité, comme à la maison, mon gars, je suis pépélé.
Dans la vie c'est donnant donnant. Y'a rien que Ophélie. Je leur mets que des coups de pression comme quand le daron te dit éteins la télé. Pas de rugbyman man chez nous mais tout le monde participe. Voyez à la mêlée. Les gars, pause. Regardez comment il filme ma barre. Pause. Voilà. Je vais tous les traumatiser. Qui pourra rivaliser? Les héros des jeunes d'aujourd'hui, c'est soit des rappeurs, soit des footballeurs. On se reconnaît dans ce parcours-là, tu vois. Le rappeur, pour rapper, il lui faut une feuille et un stylo. Footballeur, pour jouer au foot, il lui faut un ballon, même pas des cages. Tu peux comprendre ce que le mec il raconte. Parce que c'est des textes, et des sons, des messages qui te touchent toi, parce que t'es touché, parce que tu sais que t'as vécu ça. Tu vois, parce que tu veux dire. Donc c'est ça, c'est pour ça que je suis un grand amateur de rap, parce que les mecs ils vont te raconter des choses, mais ils sont sérieux. Les footeux, ils aiment trop le rap. Et nous les rappeurs, on aime trop le foot, tu vois ou pas. Donc forcément on se retrouve comme quand tu vois Booba avec Benzema, ou tu me vois moi avec Ribéry, Aurier, c'est comme ça. Le dur, le dur. On vit tous dans un quartier, que ce soit t'habites dans le 9-3 ou dans le 5-9, pour moi c'est la même chose, c'est un quartier, tu connais les mêmes galères que nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a tous, il y a un melting pot, il y a des rebeux, il y a des renois, il y a des babtou. Il n'y a pas de différence, tu vois. Donc pour moi, c'est la même chose. Hein. Que ce soit Schweitzer ou que je sois né à Schweitzer ou à Sevran ou à Grigny, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est les mêmes foot qui se font au quartier, c'est les mêmes délires qu'on a, tu vois ou pas? Pour moi, le foot, c'est le sport des pauvres. Parce que c'est le seul moyen où on pouvait se retrouver renois, rebeux, chinois, tout ce que tu veux, jouer et avoir toujours la même mentalité dans ça. Tu vois, on veut jouer au foot. Pas d'embrouille, pas de machin, tu parles des embrouilles sur le jeu, mais donc pour moi, vraiment, quand tu viens de citer et que t'as pas fait d'études, frérot, t'as soit le rap ou soit le sport. Ouais, il reste encore des restes, tu vois. J'ai encore des restes, je peux essayer. Si tu filmes, je vais essayer de te faire ça. Toujours l'habitude quand on était petit de faire des foot tu vois, au quartier. Donc c'est ça, c'est ce rapport-là. J'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec cet amour du foot, tu vois. De se retrouver avec quelqu'un que tu connais pas, avec des petits qui jouent, c'est ça. Et depuis c'est resté, ça bouge pas. Ça se voit, vous vous aviez peur. C'est ton snap. Mec, là, on va niquer les Parisiens. Là, non. Je vais vous poser une question et prendre devant toute franchise. Ouais. Qu'est-ce qu'il apporte à cette équipe? Je vais juste vous dire. Qu'est-ce qu'il apporte à cette équipe? Zéro fond de jeu. Attends. Beaucoup d'énervement. Tu rajoutais de la pression dans ton équipe. Tu vois pas? La vie de ma mère. Sur la vie de ma mère. Hey, on gagnait 5 points. Non. Kilo, à un moment, il a dit je sors. Non. Au moment où il est sorti, c'est vous avez vrai. Rattrapé. C'est non, vrai ou pas? C'est pas vrai. Dites la vérité. Bon, là, j'ai sorti mon sort. Là, tu veux désunir l'équipe. Hey, frère. Tu veux désunir l'équipe, mais c'est pas comme ça. Il y avait beaucoup de rappeurs et de mecs de banlieue qui étaient unis. Mais pourquoi? Parce qu'on vient du même endroit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la culture urbaine. C'est pas que le football. C'est aussi le rap. Ceux qui vont dire avant, ils vont dire c'était les graffitis, le break, la dance. Quand on a fait le Palais Tokyo, on a été rassemblés par rapport au foot et à la musique. C'était quelque chose de bien, c'était quelque chose de lourd. C'est, tu vois, c'est hors rap,
Et c'est des choses comme ça qu'il faut vivre, de jouer contre Marais, c'est des trucs que j'aurais jamais pu penser. J'ai gagné la première ligue. Et tu vois qu'aujourd'hui, je fais un foot contre lui, même si c'est pour m'amuser. C'est magnifique. Avec mon rebeu, mon DZ, l'homme qui a mis des crochets à toute la première ligue comme Neves. Et voir même l'ambiance qu'il y avait au Palais Tokyo, c'était un truc de dingue. Surtout quand on a gagné, quand on a sauté dans le public et tout, c'était énervé, tu vois. On est parti faire un match au Maroc pour Jamel Comedy Club. Et dans les couloirs du vestiaire, Hervé Renard, il croise Gradur. Et il lui dit, Gradur, ça va et tout. Et donc Gradur, il lui parle et tout, ça fait plaisir. Hervé Renard, ancien coach du LOSC, nous, on est de Lille, donc c'était, tu vois, il y avait quand même quelque chose de bien, tu vois. Il lui dit, tu sais quoi, franchement, j'ai gagné la Coupe d'Afrique en 2014, je pense, quand la Côte d'Ivoire a gagné, grâce à tes musiques. Parce que je fais des pompes et des tractions, quart de finale, ils ont mis ça, demi-finale, ils ont mis ça, finale, ils ont mis ça, et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Avec la musique toute la journée, je danse, je m'amuse. Tout seul, des fois dans ma salle de bain, je mets la musique, je m'amuse, je danse, je fais n'importe quoi, tu vois. Dans le vestiaire aussi, des fois, je mets la musique à fond. On s'amuse tous dans le vestiaire, on danse, il y en a qui suivent, tu vois. C'est-à-dire que c'est une manière pour moi de me libérer. Que ce soit le foot ou la musique, le lien vraiment qui nous rassemble, c'est la réussite. La réussite et le fait qu'avec ça, on peut sortir nos parents de la misère. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas que le luxe ou un truc comme ça, c'est que tu peux sortir tes parents de la misère, tu peux rendre fiers tes parents. Tu vois, aujourd'hui, je fais de la musique, mes parents sont fiers de moi. Aujourd'hui, les jeunes qui sont passionnés de foot et qui jouent dans la rue et qui se disent « j'ai envie de m'en sortir », ça a toujours été et ça sera toujours. C'est-à-dire que tu ne peux pas empêcher un enfant qui a une passion de ne pas avoir ce rêve justement de se dire « demain, j'ai envie d'être le futur joueur qui va lever la Coupe du Monde comme Maradona, comme Didier Deschamps. » Combien de fois on a entendu, que ce soit à l'école ou n'importe où, toi, tu veux faire quoi dans la vie, footballeur, mais c'est impossible, tu ne réussiras pas. Alors que, voilà. Si tu veux, si tu t'en donnes les moyens, il n'y a aucune raison pour pas réussir. Ouais, il est trop maigre, il n'est pas assez costaud dans les duels, tu vois, c'est trop frêle, c'est trop léger. C'est souvent ça, moi, tu vois. Vas-y, Riel. Tous les jeunes qui sont dans la street, peut-être qu'ils sont pas très costauds, mais ils ont leur technique. Il faut qu'ils continuent à jouer, il faut qu'ils continuent à croire en eux, parce que voilà, c'est ça le plus important, c'est croire en soi. Nous, le slogan à l'académie, c'est de dire le rêve est gratuit, mais la réalité a un prix. J'ai 400 gamins à ma charge, de U6 à U15, et le premier message que je leur fais passer, et je suis honnête avec eux, je leur dis, vous ne serez pas professionnel. Arrêtez de vous faire des rêves. Que vous ayez un objectif d'être professionnel, c'est votre droit. Mais que vous soyez focalisé que sur ça, c'est une erreur. Et parce que nous, on a appris de nos erreurs, donc nous, on ne veut pas qu'ils commettent la même. Donc c'est pour ça que je suis très dur avec eux, et je leur dis, voilà, on leur met des barrières. Je préfère à la rigueur qu'ils essayent de passer ces barrières pour essayer d'être footballeurs. Mais le message, il est clair. Sur 5000 jeunes, t'en as un qui est professionnel. Sur 100 gamins qui sont en centre de formation, t'en as 86 qui sortent du centre de formation, qui se retrouvent à 17, 18 ans sans qualification, qui se retrouvent dans la rue ou qui vont retourner dans leur quartier. Le premier message, c'est vous vous battez à l'école. C'est là où vous allez forger votre réussite, c'est là où vous allez construire votre avenir, c'est avec l'école, c'est pas avec le football. Alors c'est vrai que c'est dur, parce qu'eux, ils sont là, ils vivent que de ça, et toi, tu leur dis, bah non, tu seras pas professionnel. Mais en même temps, je préfère être sincère avec eux qu'être un marchand de rêve ou un vendeur de rêve. Quand j'étais petit, je pensais à une perspective d'avenir. Maintenant, on a grandi, ça a pas trop marché, donc on fait d'autres choses maintenant, et on fait du foot parce qu'on aime ça. Plaisir pour un joueur qui fait du street foot, c'est sa relation entre lui, le ballon et ses potes de quartier.
que ce soit dans les favelas à Rio, que ce soit dans les quartiers en France, le plaisir il est exactement le même parce que le street foot ça rime avec un ballon, un terrain et tes potes. Et là t'as le monde, il est à toi. J'aime bien le foot, tu vois. Ça, tu vois, c'est... Moi, juste un match, ça me fait kiffer, je suis content, tu vois.